Salut tout le monde, c'est Jonathan d'Africom et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous annoncer le lancement du nouveau groupe privé Telegram, un groupe sur lequel je partage tous les signaux de trading, que ce soit pour du scalping, pour du day trading sur le forex, mais également pour du swing trading sur les actions. Si vraiment vous êtes intéressé par le trading, si vous voulez commencer à générer des revenus dès cette semaine, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram. Il y a une grosse promo dessus pour le moment, puisque l'accès du groupe est à 1 euro seulement pour 14 jours, pour que vous puissiez tester mes services et pour vous rendre compte par vous-même que cela fonctionne. Bien entendu, vous pourrez vous entraîner sur un compte virtuel, un compte démo, et ensuite vous pourrez passer sur un compte réel pour pouvoir commencer à générer du vrai cash. Vous pourrez commencer avec un tout petit budget, environ 200 euros, ça sera suffisant pour faire du day trading sur du forex. Alors pour aujourd'hui, du coup, je vais dans l'historique. Et les résultats de la journée étaient vraiment bons. Donc moi personnellement, j'ai atteint un total de plus de 1000 euros pour la journée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trades, si je compte bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 trades. Et sur les 9 trades, j'en ai 7 qui sont gagnants. En général, c'est comme ça. J'ai toujours environ 70% de trades gagnants. Certains jours, je peux monter à 80% de trades gagnants, mais en règle générale, on va tourner autour des 70%. L'important, c'est que les trades gagnants soient supérieurs aux trades perdants et que les sommes gagnées dans les trades gagnants soient supérieures aux sommes perdues dans les trades perdants. Sachez que vous aurez toujours des trades perdants, même avec la meilleure des stratégies. L'important, c'est d'avoir un bon money management. Et du coup, justement, je vous ai mis dans le groupe Telegram privé toutes les vidéos nécessaires pour pouvoir commencer son activité de trading. Ainsi, vous allez maîtriser les fondamentaux du trading pour que vous puissiez trader par vous-même sans forcément utiliser mes signaux. Le but, c'est que vous soyez un trader indépendant, ok? Mais à côté, vous pourrez toujours suivre mes signaux, notamment pour du day trading, hein, puisque là, c'était vraiment à mi-chemin entre le scalping et le day trading. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand fan du scalping en 1 minute ou en 5 minutes, je ne fais pas ça. Mais du day trading intervalle 15 minutes. Donc on n'est pas loin du scalping, mais ça reste quand même plus efficace. Alors pour rejoindre le groupe Telegram, du coup, vous voyez ici que je communique pas mal. Donc aujourd'hui, du coup, j'ai partagé les différents signaux que l'on a vu, qui m'ont fait rapporter ces résultats ici, et donc qui ont fait rapporter également aux membres du groupe les mêmes résultats proportionnellement à leur capital. Bien entendu, je dis bien proportionnellement à leur capital. Puisque si vous avez un capital de 100 euros, vous n'allez pas gagner 1000 euros aujourd'hui. Mais en revanche, vous allez faire de belles performances jour par jour et vous allez faire fructifier très rapidement votre capital grâce au day trading. Et ainsi, semaine après semaine, vous allez vous trouver avec un très très gros montant. Ok? Donc, une bonne stratégie, un bon money management et une formule d'intérêt composée, ça va faire exploser votre capital, exploser dans le bon sens, bien entendu. Pour la journée d'aujourd'hui, comme vous le voyez, c'était principalement des tendances baissières. On était vraiment en tendance baissière partout. Si je prends par exemple AUD/USD, j'avais pris position à 13h46 et j'ai clôturé cette position à 15h11. Donc en 1h30 de temps, j'ai généré un profit net de 200 euros. Si je vais du coup sur AUD/USD, on voit bien que toute la journée, nous étions en tendance baissière. Et ça, c'était pareil pour pratiquement toutes les actions toutes les actions en fait sur lesquelles on a misé aujourd'hui, on a spéculé aujourd'hui. Il n'y avait que des tendances baissières. Okay, donc c'était une journée triste pour les marchés, mais pour nous c'était une très très belle journée puisque on peut non seulement spéculer sur la hausse du cours de titre, mais on peut également spéculer sur la baisse du cours de titre. Donc, pendant que je tourne cette vidéo, je vois que sur USD/JPY, il y aura certainement de belles opportunités à la hausse pour demain. On verra ça par la suite. Le groupe Telegram. Le groupe. Alors, ce nouveau groupe Telegram privé. Alors, ce nouveau groupe Telegram privé, ce n'est pas seulement du day trading, c'est également du swing trading, puisque je donne également des analyses pour du trading long terme, c'est-à-dire que l'on va ouvrir des positions par exemple lundi et on va conserver ces positions
plusieurs jours. Donc on peut les clôturer ben, le jeudi ou le vendredi. Et cela, ça va être du trading sur des actions, principalement sur des actions US, parce que les actions américaines, c'est ce qui rapporte le mieux. Et pour aujourd'hui, du coup, j'ai fait une analyse sur Netflix, puisque sur Netflix, il y a une belle opportunité baissière à venir. Voilà, et j'expliquais du coup qu'il y a une tendance baissière à venir. Nous sommes sur une grosse unité de temps ici en H4. Du coup, globalement, vraiment globalement, on est sur une tendance haussière. Puisque forcément, ben, on parle de Netflix, donc en général, c'est une forte tendance haussière. Mais à moyen terme, on a une vague baissière sur laquelle on va pouvoir surfer. Mais j'expliquais dans le groupe qu'il ne faut pas se positionner tout de suite, puisque dans l'immédiat, il y a une correction haussière qui s'amorce là, une correction haussière qui commence à peine. Du coup, l'action est à surveiller et ensuite, quand le bon moment va se présenter, on va pouvoir se positionner à la baisse et pouvoir surfer sur une belle baisse avec Netflix. Donc, je pense que on pourra se positionner dessus en début de semaine prochaine, donc lundi. Même si on pourrait le faire demain, demain je ne le ferai pas, puisque vu que les marchés sont fermés le samedi et le dimanche, on ne sait jamais s'il n'y aurait pas un gap à l'ouverture du lundi, puisqu'il y a souvent des gaps sur le marché des actions. Du coup, je vais laisser passer ben, la fin de semaine et lundi, cette fois-ci, je vais me positionner. Enfin, si les conditions sont nécessaires, je balancerai le signal pour que vous puissiez vous positionner sur Netflix à la baisse. On va garder cette action, je pense, 2 ou 3 jours maximum avant de sortir. Et ensuite, pour les plus gourmands, on pourra se repositionner à la hausse cette fois-ci, puisque globalement, on est sur une tendance haussière avec Netflix. Hein, si je me mets en daily, on est vraiment sur une tendance haussière qui est relativement forte. On est au-dessus de la moyenne mobile et particulièrement éloigné également de la moyenne mobile. C'est juste que à moyen terme, il y a une petite phase baissière ici qui s'amorce. Okay, il faut savoir qu'en bourse, la courbe de prix, elle évolue toujours en zigzag, d'accord? Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Globalement, elle monte ici. On est vraiment sur une tendance haussière, comme on le voit. Mais en moyen terme, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Du coup, dans l'immédiat, on peut surfer sur une tendance baissière avant de se repositionner en tendance haussière pour les plus gourmands. Voilà, donc l'accès à ce groupe Telegram est disponible pour une durée limitée avec une belle promo dessus. 1 euro pour 14 jours. 1 euro, ce n'est pas grand-chose. 1 euro, c'est même pas le prix d'un croissant. Donc, vous allez pouvoir tester nos signaux facilement et surtout sans risque, puisque vous pourrez appliquer ces signaux sur un compte virtuel et passer vos ordres en suivant toutes les recommandations. Je donne absolument tout, à savoir le take profit, le stop loss. Parfois, j'explique quand il ne faut pas mettre de stop loss pour surfer sur une belle vague. Pour l'euro USD, j'avais expliqué qu'il fallait se mettre en vendeur sur Euro-USD et effectivement, juste ici, nous a donné raison. On a pu générer une bonne plus-value. Donc maintenant, comment faire pour rejoindre ce groupe Telegram? Ça va être très très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas Telegram, c'est à peu près comme WhatsApp. Donc c'est 100% gratuit et vous pouvez l'installer à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone portable. Ici, par exemple, j'ai la version pour ordinateur. Et vous pourrez faire de même également pour votre téléphone portable. Vous allez donc télécharger et installer 100% gratuit. Ensuite, une fois que vous serez inscrit en passant par le lien ci-dessous, vous aurez le lien pour rejoindre le groupe Telegram. Une fois que vous avez rejoint le groupe privé Telegram, ben, pour pouvoir passer vos trades tranquillement, il vous faudra un courtier. Donc moi, j'utilise XTB. C'est vraiment une plateforme excellente puisqu'elle donne absolument ben, tout ce qu'il faut. Il y a les graphiques avec tous les outils qu'il faut pour faire une bonne analyse technique. J'explique dans la formation complète. Vous avez tous les modules concernant les indicateurs techniques et mes indicateurs techniques préférés pour pouvoir passer mes trades en day trading et en swing trading. Donc, je fais absolument tout pratiquement en passant par Xtation 5, qui est l'interface fournie par XTB. XTB est aussi le seul courtier à avoir des bureaux disponibles en France, donc à Paris. Du coup, c'est vraiment ben, plus rassurant puisque la plupart du temps, les courtiers ont des bureaux dans des pays exotiques. Ici, on a des bureaux à Paris, on peut venir sur place visiter. Donc, c'est vraiment intéressant. Et avec XTB, on peut trader donc du coup le forex, les matières premières, les crypto-monnaies. On peut également trader les actions en CFD pour faire de la spéculation à la hausse et à la baisse. Et on peut trader également les actions proprement dites, donc faire de l'investissement boursier avec un compte titre.
Sur XTB, vous avez également des analyses de marché avec les variations, les sentiments de marché. Vous avez un scanner pour ceux qui souhaitent faire de l'analyse fondamentale et investir sur des actions. Vous avez des scanners ici. Vous avez les actualités. Donc c'est très intéressant pour ceux qui souhaitent faire du trading de news, par exemple. Ici, vous avez le calendrier économique avec les nouvelles à venir qui vont là aussi impacter les marchés boursiers et impacter notamment le marché du forex. Et vous avez même ici le niveau d'impact que va avoir les différentes news. Et évidemment, vous avez votre partie historique pour suivre vos différents trades. Donc pour rejoindre XTB, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Vous pourrez vous inscrire. Vous aurez du coup un compte démo sur lequel vous aurez un portefeuille virtuel, sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner en appliquant nos stratégies que l'on enseigne dans le programme complet, mais en appliquant également les signaux que j'envoie sur le nouveau groupe privé Telegram. Il faut savoir que XTB offre un effet de levier de 30, ce qui est déjà pas mal. Autrement, vous avez BD Suisse, qui, comme son nom l'indique, est un courtier suisse, donc européen, et qui est l'un des rares courtiers à pouvoir proposer légalement en France un effet de levier de 500. Je tiens à vous mettre en garde sur l'effet de levier de 500. Cet effet de levier vous permet uniquement de passer plus de trades, mais en aucun cas vous ne devez mettre des montants de folie sur un seul trade. Okay? Vous ne devez jamais dépasser 2% de votre capital global sur un trade, ok? On voit dans la partie money management sur le ratio risque-bénéfice. C'est important de suivre ces différents modules avant de vous lancer en solo en trading. Dans tous les cas de figure, ne dépassez jamais 2% de votre capital global en termes de risque quand vous passez vos trades. C'est très très important pour avoir du succès sur du long terme. Et donc avec XTB, vous aurez un effet de levier de 30, ce qui vous permet déjà de passer pas mal de trades, donc c'est déjà bien. Et l'avantage de XTB, c'est que vous aurez pas mal d'actions pour pouvoir trader, que ce soit en spéculation ou que ce soit en investissement long terme avec un contre-titre. Il y a vraiment beaucoup d'actions sur XTB, comme je vous l'ai montré. Et avec BD Suisse, en revanche, vous aurez un effet de levier de 500. Par contre, en ce qui concerne les actions, vous pourrez trader les actions, mais il y aura beaucoup moins d'actions. Si vous voulez trader les actions, ici c'est marqué qu'il y a 0% de commission, mais c'est seulement si vous avez un énorme capital. Si vous avez un petit capital, il y aura des commissions qui seront d'environ 8 euros sur XTB, donc par trade. Donc du coup, si vous voulez trader les actions, il vous faut un portefeuille de minimum 500 euros pour ne pas être pris par les commissions que XTB va vous manger. Si vous avez un petit portefeuille, restez focus uniquement sur le forex. Sur BD Suisse, en revanche, vous n'avez pas de commission sur le trading sur actions. Même si vous avez un tout petit compte, vous allez pouvoir trader les actions. Par contre, la marge requise est plus élevée puisque l'effet de levier ne sera pas de 500. L'effet de levier sera le même en fait. Il sera de 5 sur BD Suisse. Il sera de 5 également sur XTB. Pour le Forex, l'effet de levier sera de 30 sur XTB et il sera de 100 sur BD Suisse. Du coup, c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille d'avoir deux comptes. Moi, j'ai deux comptes. J'ai un compte sur BD Suisse et j'ai un compte sur XTB. Comme ça, je peux trader à la fois sur XTB, à la fois sur BD Suisse en bénéficiant d'un énorme effet de levier. Du coup, petite précision, pour XTB, vous aurez également l'application mobile que vous allez pouvoir installer sur votre téléphone. L'application, elle est superbe. Pour XTB, je lui donne 10 sur 10. Elle est superbe. Pour BD Suisse, en revanche, vous avez une application, mais qui n'est pas terrible. Du coup, si vous voulez trader avec BD Suisse, je vous conseille vivement de télécharger MetaTrader 4. C'est la plateforme de trading numéro 1 au monde. Étant donné que la plateforme de BD Suisse, elle n'est pas top, eh ben, vous pourrez vous reporter sur MetaTrader 4. MetaTrader 4 que vous allez installer sur votre ordinateur et que vous allez installer également sur votre téléphone portable. Je vous expliquerai sur le groupe Telegram comment configurer MetaTrader 4. MetaTrader 4 est compatible à la fois avec XTB, à la fois avec BD Suisse, donc dans tous les cas de figure. Enfin, en tout cas, je vous conseille, si vous voulez utiliser BD Suisse, de passer par MetaTrader 4. Et une fois que vous avez créé votre compte sur BD Suisse, vous aurez les informations pour pouvoir connecter MetaTrader 4 à BD Suisse et ainsi vous pourrez passer vos trades depuis MetaTrader 4 sur votre smartphone.
Et puis aussi, chose très importante pour passer vos trades, quand je vais vous envoyer des signaux sur le groupe Telegram, je vous envoie toujours le stop loss et le take profit. Donc le stop loss, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas membres du programme complet, le stop loss, en fait, c'est la zone où votre ordre va s'arrêter automatiquement si le cours part dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si vous faites un pronostic par exemple ici, on va faire un pronostic sur la baisse sur la chute du titre, et du coup, on se positionne en vente. Si au lieu de descendre, le cours il commence à remonter, il remonte, il remonte, il remonte, et bien à un certain niveau, c'est-à-dire au stop loss, votre ordre va s'arrêter automatiquement et du coup vous allez limiter vos pertes. Voilà pourquoi je le dis, je le redis encore, quand vous faites une mise, quand vous spéculez en trading, vous ne perdez pas l'intégralité de votre somme, vous perdez seulement la somme que vous avez fixée. Autrement dit, comme je vous l'ai dit, essayez de faire en sorte que votre stop loss soit équivalent à 2% de votre capital global. Ainsi, si votre trade il est perdant, il touche votre stop loss et vous perdez que 2% de votre capital. À ce stade, il vous faudrait enchaîner 50 trades perdants de suite pour perdre l'intégralité de votre capital. Donc ça, c'est le stop loss qui va être ici, par exemple, si on se met en vente. Et ensuite, vous avez le take profit que je vous envoie. SL, ça veut dire stop loss. TP, ça veut dire take profit. Le take profit, c'est la même chose, mais en sens inverse. Si le cours il part dans le bon sens cette fois-ci, eh ben, le take profit, ça sera la zone où votre ordre va se clôturer automatiquement en gain cette fois-ci. Et vous allez fixer idéalement ce take profit à environ 1,5 fois, voire 2 fois le stop loss. C'est-à-dire que si vous risquer 2% de votre capital global, et ben c'est pour gagner au minimum 2%. Donc le take profit que je vous envoie, c'est en général 1,5 fois le risque que vous prenez. Donc si vous risquez 2%, votre take profit sera à environ 3%. Ok? Et du coup, si je clique sur nouvel ordre, vous verrez qu'il y a soit exécution instantanée, ça veut dire que votre ordre se déclenche automatiquement, immédiatement, soit vous avez l'option ordre en attente. Ça signifie cette fois-ci que c'est un ordre conditionnel. Sur MetaTrader 4, vous aurez, ça va s'appeler buy stop pour achat et sell stop pour vente limite. Ce sont des ordres conditionnels. Ça signifie que si le cours il part dans le bon sens, il va venir vous choper quelque part en bas par ici, à une zone que vous aurez fixée au préalable ou que j'aurais fixée au préalable dans les signaux. Et si et seulement si il part dans le bon sens, il vous chope et votre ordre se déclenche. Si il part dans le mauvais sens, votre ordre ne se déclenche pas. Donc, cela va dépendre en fait des situations. Dans les signaux que je vous envoie, soit je vous envoie, ben, la plupart du temps, ça sera des ordres instantanés. Soit ça sera des ordres conditionnels si vous êtes sur MetaTrader. Si vous passez par XTB, par Xtation 5, du coup, ça sera vente limite ou achat limite, c'est la même chose. Donc, si je fais un exemple ici, je vais vous envoyer par exemple un signal pour acheter le GPB JPY à, admettons, 135. Non, plutôt, je vais mettre le signal à 136 450. Voilà, ensuite je vais mettre du coup, comme ici ça sera en achat, donc il faut cliquer ici sur achat. Vous allez mettre ici le stop loss, là où vous voyez marqué stop, ça sera le stop loss. Okay? Donc dans le programme complet, il y a un module où j'explique comment configurer, enfin comment calculer ces stop loss. Mais si vous suivez les signaux, vous avez déjà le stop loss qui est envoyé. Donc on va prendre un exemple au hasard, je vais mettre un stop loss à 136. 170, ok, et ensuite le take profit, ça sera marqué ici limite, limite et le take profit, ok. Donc le take profit, par exemple, je vais le mettre à 136 733, et voilà. Et là ensuite, quand on voit ici, c'est du 1 pour 1, ça signifie que je vais risquer ici donc 1% pour gagner 1%. Évidemment, si vous voulez risquer du coup 2% de votre capital, comme je vous l'ai expliqué, eh bien vous allez ajuster en fait votre volume. Et il faut également que vous ayez suffisamment de marge. La marge, en fait, c'est la somme que vous devez mettre en jeu
pour pouvoir risquer ces 2% de votre capital. Donc, si vous placez plusieurs trades, au bout d'un moment, vous n'aurez plus suffisamment de marge pour risquer 2%. Du coup, vous ne pourrez pas prendre le trade. Mais sinon, tant que possible, vous devez ajuster du coup la taille de votre position de sorte que vous ayez plus ou moins ces 2%. Comme ici, je suis à 2%, je risque 2% pour en gagner 2. Je peux lancer du coup mon ordre achat stop. Et là, voilà, vous voyez que mon ordre, il est ici, c'est un ordre conditionnel. Si le cours, il remonte, s'il remonte jusqu'ici, mon ordre se déclenche et ensuite il touche mon take profit. Si il remonte jusqu'ici, mais au final, il décide pour X raison, une apocalypse ou une crise ou je sais pas quoi, il décide de redescendre. S'il redescend jusqu'au stop loss, alors je perdrai du coup 2% de mon capital, mais je ne perdrai jamais l'intégralité ni de ma mise ni de mon capital global. C'est impossible avec les stop loss. Quand il va s'agir de trading, de swing trading sur action, vous verrez que la plupart du temps, je vous dirai de ne pas mettre de take profit puisqu'on va surfer vraiment sur de belles vagues. Ok, mais sinon, quand je vous mets un take profit, vous allez le mettre. Quand je vous dis de ne pas mettre de take profit, vous ne le mettez pas. Et si vous tradez par vos propres moyens, dans la formation complète, si vous êtes membre du programme complet, qui est distinct d'ailleurs du groupe Telegram, si vous êtes membre du programme complet, alors vous avez les modules pour apprendre à bien ajuster ses take profit et ses stop loss, parce qu'il faut que le stop loss soit placé à un niveau suffisamment correct pour que la courbe puisse se mouvoir tranquillement. Et en même temps, il ne faut pas que le stop loss soit trop près pour ne pas que la courbe touche votre stop loss inutilement. Donc, il faut que le stop loss soit bien placé et en même temps, il faut qu'il soit égal à 2% de votre capital global. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je rappelle que l'accès au nouveau groupe privé Telegram est disponible pour une durée limitée avec une énorme promo dessus, 1 € pour 14 jours. Vous allez pouvoir tester en toute sécurité nos services, vous rendre compte que ça fonctionne et générer vos profits. Je vous remercie pour avoir tout suivi. On se donne rendez-vous sur le groupe Telegram. À tout de suite.